Ici, on s'aiguise l'appétit. C'est le paradis du magret. On mange les meilleures huîtres du sud-ouest. C'est le top. Très convivial, des produits de qualité, super. C'est le nouveau rendez-vous incontournable des Bordelais, les Halles de Bacalan. Installées face à la Cité du vin de Bordeaux depuis le mois de novembre, les Halles sont la nouvelle étape gourmande dans l'immense restauration de la ville opérée depuis plus de 10 ans. Dans chaque allée, ça sent le sud-ouest à plein nez. Ici, il y a 300 ans, on embarquait et débarquait des tonneaux de vin. Et depuis 20 ans, après la fermeture de nombreuses usines, le secteur était devenu un no man's land. Avec ses 1000 mètres carrés et ses produits de saison venant exclusivement de la région, le quartier revit. L'odeur du pain chaud vous saisit dès votre arrivée. Donc là, on y va doucement et gentiment, on ne va pas la brusquer la pâte, parce que si on la brusque, bah forcément, elle va nous le rendre mal. Ça, c'est l'œuvre de Maude. La mie de pain, c'est toute sa vie. J'ai toujours trouvé ça intéressant de partir de matières inertes telles que la farine, de l'eau, du sel et de la levure. Dissocier, ça n'a pas de goût. Et quand on associe ça, on peut faire des choses de dingue en termes de goût. Et on a vraiment des choses complètement différentes, quoi. Maude n'est pas seulement boulangère, elle est aussi un peu artiste et même scientifique. Au thé basse pression, pluviométrie, température, tout est pris en compte. Pas question d'avoir une baguette toute molle parce qu'il pleut dehors. Forcément, on s'adapte en fait. Par exemple, on va jouer sur ce qu'on appelle faire sécher le pain. Donc une fois que la cuisson a été faite, on va ouvrir les portes du four. Ça va stopper la coloration, mais on va permettre à l'eau qui est dans le pain de s'évacuer sans colorer plus. Donc, ce qui va permettre au pain de rester un peu plus croustillant par des temps comme celui-là, comme humide. Et voilà, tout le travail qu'on a fait avant, c'est pour avoir ce résultat-là. Une mie un peu grasse comme ça, donc pour saucer ou quoi, c'est parfait. Et les trous pour être remplis avec du beurre ou tout autre condiment, c'est pas mal aussi. Des produits qui n'échappent pas à l'œil et à l'odorat affûté du chef Frédéric Coiffé. J'ai 4 places au comptoir, si vous voulez vous asseoir. Ben là, on est sur des bons plats d'hiver avec le pot-au-feu. Là, on fait plein de velouté. Que des plats pour se réchauffer le cœur. Son restaurant est en plein milieu des Halles. Il est à la recherche d'idées pour son service de midi. Quand j'arrive le matin, je prends mon petit café ici, je prends mon chausson à la pomme et je mange mon chausson à la pomme tous les jours. Salut, Maud. J'aurai besoin d'un pain. L'objectif, c'est de faire une sorte de petite mouillette qu'on va tremper dans le velouté de potimarron et de carottes, qui va rester croustillant et qu'on va manger en même temps. Ce qui se marierait plutôt pas mal, ce serait la petite baguette apéro de chorizo, ouais, comme celle-ci. Ouais, ça c'est bien ça. Je le coupe et après je le mets sur la plancha. Je vais goûter. Ouais, faut goûter pour être sûr quand même. Si ça te convient. On est parti pour la chorizo alors. Ça marche. Allez. Merci Maud. Merci à toi. La bise au chat, à bientôt. La bise au chat, ciao. Salut. Un velouté de potimarron et carottes, des légumes divers, pleins de couleurs, que Frédéric va aller chercher à peine 5 mètres plus loin, chez Julien, un maraîcher 100% local. Pour moi, c'est le paradis ici. J'ai tous les commerçants autour de moi, je peux aller faire mes courses tous les matins. J'ai pas besoin d'aller faire des kilomètres, on a tout sous la main. Non, on met en place une production locale à 30 minutes du marché. Donc c'est le but, que les 3/4 des légumes que je vends ici soient de ma production. On essaie de relancer les légumes crus. Parce qu'en l'hiver, tout le monde se bourre de cachetons, de vitamines, mais si on mangeait un peu plus de légumes crus, on ferait des pleins de vitamines et nutriments. Donc j'adore mettre en avant tous ces légumes qui sont colorés. Ça, c'est un radis asiatique qui est cultivé ici. Ça s'appelle radis red meat ou pastèque, parce qu'à l'extérieur, il est plutôt vert et à l'intérieur, il est rouge. Pour son velouté, le chef a besoin de carottes, de potimarron et d'oignons. On va émincer les carottes, le potimarron. L'oignon aussi, je vais le faire revenir dans une petite garniture. Je vais faire revenir, je vais mouiller avec un peu de bouillon, un petit peu de crème et je vais mixer, c'est tout simple. La petite surprise de cette recette, c'est la noix de Saint-Jacques que Frédéric va rajouter dans son velouté comme une perle dans un coquillage. Là aussi, Hervé le poissonnier n'est qu'à une enjambée de son restaurant. On y trouve du caviar, d'Aquitaine forcément, les noix, elles, sont de Normandie. Là, on est en plein dans la saison. Là, on est sur une belle qualité parce que la noix est bien blanche, tout le corail est là. Tiens, mon petit Fred. Impec, voilà, super. Donc ça, je vais les faire poêler sur la plancha, un peu d'huile d'olive, du beurre. Il faut que la coquille Saint-Jacques reste nacrée. Donc c'est une minute de chaque côté sur une plancha dans une poêle. En fait, l'intérieur doit être presque cru. Et en fait, elle va continuer à cuire tout doucement. Les Halles de Bacalan ont décidé de miser sur la convivialité. On peut y faire ses achats, mais on peut aussi y déjeuner. Notre chef a voulu aller encore plus loin. Il propose un service de cuisson de veau viande. Oh, Francky, une côte de bœuf. Chez Franck, on ne sert que de la bazadaise, une race de vache locale. Une vache bazadaise, c'est une vache qui est grise, hein, qui est vraiment une race locale. C'est vraiment concentré dans le sud Gironde. Ce sont des races quand même avec un gras fin.
et goûteux. On enlève juste vraiment un millimètre parce qu'il faut laisser du gras. Le chef, il veut vraiment du gras à table. Et là, on a une côte magnifique. Cette race tire son nom du village de Bazas, à 60 km au sud de Bordeaux. Chaque année, depuis plus de 700 ans, on le célèbre même lors de la fête du bœuf gras en février. Tout comme les fêtes de carnaval, c'est une manière de signifier que l'hiver touche à sa fin. Tout est bon dans cette viande persillée. Comme il n'y a pas que des côtes et des entrecôtes, il faut travailler les avant de bœuf. Je désosse les poitrines de bœuf entièrement, je mets des légumes, je roule, j'attache le tout et on a un pot-au-feu quasiment complet. Il faut faire un petit peu le point avec d'autres légumes, mais voilà. Yes. Et voilà, chef. C'est cool. Bon appétit. Merci. Alors pour l'instant, je vais mettre que du poivre, pas de sel. Le sel, on le mettra quand ça va être sur la fin de la cuisson. À table, on a hâte de tester ce que le chef a réussi à faire avec ses courses du matin. Regardez les amis, que des produits du marché. Et pendant que vous êtes en train de goûter ça, moi je vais vous couper la côte de bœuf. Désormais, vous connaissez l'adresse. Les halles de Bacalan n'attendent plus que vous. Fred, Maude, Julien, Franck, Hervé et tous les autres sont prêts à vous y accueillir.